Salut à tous, c'est Heywood. De retour avec je lui en ai voulu pendant des Rise de s'être perdu of dans son travail, d'avoir The Tomb Raider. Je pensais être des oh boy. Let's go. J'ignorais tout de la vérité. Dis-moi que mon russe, il est bon, là, parce que là, j'en ai marre. Encore de la propagande. Travailler dur pour combattre le froid et la faim. Ah ouais, non, mais c'est abusé. Mon russe, là, il est trop bas. Quelqu'un a gratté quelque chose en dessous. Des indications vers une chose cachée. Ah, voilà. Ça s'est activé. Ah, j'ai de la thune ici. Ah, il y a encore de la thune dedans ? Et la thune ici, j'ai de la thune dans le... dans la grotte, et j'ai de la thune ici. Waouh. Ouais, ça fait 6. Est-ce que ça vaut le coup pour moi de retourner, aller ramasser tout ça, parce que si je vais essayer de faire un truc, de jouer tout ça, et faire en sorte... Dans tous les cas, c'est pas dans les... C'est... Bon, je pourrais toujours revenir, il n'y a aucun problème, parce que... C'est pas des endroits difficiles d'accès. Ouais, parce que là, j'ai vraiment la flemme de retourner. Et surtout, j'ai pas encore mon russe au troisième niveau, donc... Quand j'aurai mon russe au troisième niveau, dans tous les cas, je serai obligé de retourner là-bas pour aller... pour aller chercher le... le monolithe. Lara, est-ce que tout va bien ? Oui. Je suis au pied de la vieille usine soviétique. Je me dirige à l'entrée de la mine, en haut de l'installation. Vous pouvez me retrouver là ? J'arrive tout de suite. Il y a un truc à ramasser dans le coin, là. Ok, il est là-bas. On va regarder ça. Non, mais je suis vraiment... je sais pas, mais je suis... j'adore le jeu. Je vous laisse dire, les amis. Ok, ça, je m'en fous. Ok, on a vu tout ce qu'il y a dedans. On est rentré par là, je vais juste vérifier. Je vais pas le prendre. Une autre sculpture. Mais on dirait un jeu cette fois. Ces pièces me disent quelque chose. Je suis sûre d'avoir déjà vu ça quelque part. Non mais moi ce jeu, je le fouille tellement. Si j'ai pas un 100% dans le truc, je sais pas trop les gars. Je farme beaucoup trop ce jeu. Je vais partout. En tout cas, les amis, pour ceux qui me suivent et qui connaissent à peu près ce que je suis en train de faire, vous savez sans doute que j'ai commencé par faire un rush avec... Roche a commencé cette année 2023 avec Dead Space, le remake. Ensuite on a enchaîné avec comment il s'appelle? Alan Wake 1.
masterisé sur Xbox Series X. Ensuite, on a fait Alan Wake 2. Ensuite, on a bossé sur un jeu qui s'appelle Remothered, Tormented Fathers. Et ensuite, on a bossé sur un jeu que vous connaissez sûrement déjà beaucoup plus. Resident Evil 7, Biohazard. Et ouais, de belles choses. De très belles, très belles choses. C'était mon objectif de cette année, de faire ces jeux-là. Et il manque aussi... J'avais aussi un autre objectif cette année qui était de finir Resident Evil Village. Parce que je me suis dit, je finis Resident Evil Biohazard. Je vais essayer de finir également Village. Comme ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire en tant que Resident Evil, les plus récents et les plus importants. Défi de tombeau ? Ah, c'est le troisième alors. Très bien. Tombeau, c'est le dernier, 3 sur 3. Je vais le faire tout ça hors caméra. Je vais pas me perdre mon temps ici. En même temps, je dis ça, c'est que je peux peut-être pas revenir en arrière si je le fais pas maintenant. Donc ouais, j'ai dit que j'allais finir... Comment on appelle ça ? Village. Ah, y'a un truc là-haut ? Ah, comment je monte là-haut ? Oh, j'aille. Non. Je peux grimper par là ou pas? Non plus. Et par l'extérieur? Ouais, faut monter par là. Et ouais, donc je m'étais dit de finir Village. Également. Mais après, je... Comment on appelle ça? Ça, c'est pour monter complètement là-haut. C'est pour se barrer, non? Et continuer en face. Ok, je vais faire ce que j'ai à faire ici. Tranquillement, parce que... Parce que, laisse-moi, le tombeau, il est à côté. Il y a une grotte ici, et le tombeau et la grotte. Mais what? C'est pas le même truc? Et j'ai eu quoi là? C'est très bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir eu quelque chose là. Mais j'étais l'autre... Comment je fais pour aller là? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Là, je peux aller là. Je vois, il y a un truc là-haut. Ça, c'est là, mais je vois un autre truc en bas. Mais moi, c'est comment je fais pour rentrer là-dedans? C'est là-haut, non? Je m'attendais pas à ce qu'il s'accroche là-dessus. Ah, la grotte, elle est là. D'accord, la grotte elle est là, mais moi j'ai envie de rentrer à l'autre côté.
cage. C'était traité comme des animaux. Je vous laisse lire, les amis. Je doute que... Ok, mon gars, il est chaud. Y a quelqu'un là-haut? Est-ce qu'on a un plan d'installation? Ah non, ça a activé le truc, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, j'ai pas envie de faire ça là, je veux explorer le truc. Je dois aller là-dessus, j'arrive pas à aller là-dessus. Comment je prends ça en plus? J'arrive pas à comprendre. Moi j'ai envie d'aller à l'étage, j'ai juste envie d'aller là-bas. Pouvoir rentrer en dessous. Et je peux pas rentrer en dessous. Là, il y a une grotte, ça j'ai compris. Et là, je l'accroche à quoi ici? Et comment je suis censé aller là? En plus, cette grotte, il faut un explosif. Ou que j'aille là-haut. En fait, il faut que je fasse tout de là-haut. Peut-être je pourrais revenir là-dedans plus tard. C'est quand tu sors par là, je crois. Et de là, je pourrais rentrer dedans. Ouais, ça accroche pas par là. Bon, bah, je vais aller faire le truc tranquillement parce que je... Le temps, il avance. Parce que je vois pas comment est-ce que je peux atterrir aller là-haut. Ouais, c'est ça. C'est l'autre côté, et à ce moment-là, je pourrais atterrir là-haut et récupérer tous les trucs. Mais ça n'a aucun sens qu'il me laisse pas pouvoir y aller maintenant. Il y a des choses là-haut que j'ai envie de récupérer. Ouais, c'est ça, en fait. Et que t'as même pas besoin de vraiment poursuivre à jouer à ce jeu parce que... Je sais pas, il y a une grotte, il y a un tombeau, est-ce que je... Bon, je le fais à l'après. Je vais là-haut. J'avance dans l'histoire, comme ça je suis tranquille. Ouais, j'avance dans l'histoire tranquille et je continue, j'irai. Oh, il y avait un mec là, je l'aurais bien eu. Pas grave, je l'aurai plus tard. Je peux l'avoir d'ici ou pas? Ok, c'est pas grave. Là, elle a attrapé, mais quand c'est pour y faire les explosifs, elle l'attrape pas. Ok, y'a qui là? Y'a des mecs là-bas, y'en a plusieurs.
Oh my boy. Come on, come on. Okay. Oh mon gars, je vous ai cramé sale. Désolé les gars, mais c'est comme ça, hein, j'ai pas le choix. Hein. Pas rentrer là-dedans? What the fuck is that? Je pas rentrer là-dedans. Il y a un truc là-bas en plus. Ouais, par là. En tout cas, je savoure le jeu, j'adore. J'espère que vous aussi, ça vous plaira. C'est vraiment, mais ça fait un bail. Voilà, j'ai failli rater ça. Les mitrailles, waouh. C'est bien ça. Non mais je disais que ça fait un bail Lara Croft quoi, c'est vraiment... Il y a une croix là. Moi je me suis arrêté Ça c'est le... Ouais mais là je rentre où là? Là je rentre dans le tunnel là. Ça c'est pas l'histoire principale. Ok, les sommets les gars, tant que j'y suis là, je vais rentrer dedans. Ces lumières fonctionnent encore. Enfin presque. Ça alors? Ils sont vraiment anciens. Qu'est-ce qu'ils ont découvert là-dessous? C'est quoi la carte? Y'a rien? Mais je montre-moi la carte. Elle est rien, elle est nulle ta carte. On va, je vois rien. Donc ouais, je vais essayer de terminer sur cette séquence. Oh shit. Oh shit. What? En fait, j'ai raté parce que, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai vu une plateforme à ma droite. Je me suis dit, je vais d'abord aller... Ouais, je suis arrivé là et j'ai vu ça en fait en sautant. J'étais plus haut en plus. Ouais, ouais, c'est ça que j'ai vu d'en haut, en fait. Ouais, j'ai vu ça en bas, je me suis dit, oh, il y a un truc là, et en fait... Même pas?
Deux fois qu'elle attrape pas le truc. Bon, ça change pas grand chose. Oh shit. Ce jeu, il est juste incroyable. Ouais, là, moi, je me suis arrêté au premier Tomb Raider. Après, j'ai plus joué, j'ai complètement oublié. Mais je me souviens de toute ma vie, le premier, il était juste incroyable. Mais qu'est-ce que j'ai passé des jours et des jours. Parce que les énigmes étaient tellement ouf. Et je me souviens... Quand j'avais réussi de sortir de la maison pour aller rien que dans la cour. Waouh. Après t'allais encore plus loin, ensuite de suite, jusqu'à la forêt. Non mais c'était incroyable. Incroyable. C'était vraiment... Donc là ça fait plaisir de me retrouver Lara Croft. T'as capté? Je suis ravi de la voir, de le rejouer, ça fait plaisir. A l'air inflammable. Et je suis censé l'enflammer avec quoi? Ah mais j'enflamme avec quoi, meuf? Mais elle est sérieuse? Ah, j'ai eu peur. What the fuck? Ah, heureusement que j'ai fait cette technique là, enfin ce... Moi je suis là pour ce genre de niveau, what the fuck? Oh shit! Oh le shit! Tu pars d'une entrée? Ouais, je peux pas, c'est vraiment faut partir par là. Encore des artefacts. Ils ont dû découvrir un vieux passage. Il faut que je vois ça. Waouh, le jeu, il est juste... Il t'embarque un peu dans tous les sens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, c'est vraiment de... Tu veux de la Lara Croft, tu veux découvrir des trucs, tu veux chasser, tu veux de la chasse au trésor. Voilà, j'ai failli me faire avoir. Tu veux de la chasse au trésor? Ben, voilà. Ben voilà, tu veux, t'en trouves, en t'en donnant le plein. Cette flasque appartenait à un soldat de l'armée rouge. Je ne reconnais pas cet insigne. Elle est encore à moitié pleine. J'en aurais peut-être besoin avant la fin. Je sais pas trop si c'est... C'est bien de boire ça, mais why not? Oh merde, j'ai raté. Si je l'ai pas enflammé en plus. Et voilà. Quoi qu'ils aient découvert. Ça doit se trouver là. Wow, c'est tout un cheminement de ouf. Wow, ok.
J'adore. Quelqu'un cachette. Je vous laisse y aller, amis. Lisez. Outils de mineurs. Et des armes de fortune. Ouh, sacoche d'explorateur. That's what I'm talking about. Carte mise à jour. Waouh, t'as vu tout ce qu'il y a ramassé? De toute façon, on va suivre le chemin, y'a pas de soucis. Tu peux aller là? Moi, je suis vraiment l'explorateur par excellence. Ah, il y a un camp ici? Ok. Ça peut être intéressant de s'arrêter là, non? Ou de continuer, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? J'ai une compétence par là. Sniper, ça m'intéresse pas. Finesse. M'intéresse pas. Why not? On va voir ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça m'intéresserait de faire ça parce que j'arrête pas de sauter d'en haut de plein d'endroits et ça m'aiderait beaucoup de pas crever, tu vois. Mais voir les armes, qu'est-ce que j'ai? Grande capacité, ouais, je pense. Ça, c'est quoi ça? Vitesse de recharge, ouais, why not? Et ça, c'est quoi ça? C'est cadence de tir. J'utilise pas tant que ça, maintenant la flèche, donc je vois pas trop. Je vais faire plus le flingue. Donc j'allais les mettre sur le paquet sur mon flingue parce que. Ça m'arrange. Parce qu'une fois que tu commences à avoir le flingue, ça sert plus à rien le truc. Donc ouais, j'ai une cache survie, j'ai un document à prendre, j'ai plein de choses à faire. Je vais essayer de terminer ce. Je vais essayer de terminer juste la section là. Je viens juste de rater le truc. Ok. T'es plein, ok. Dis-moi que mon virus il est bon là. J'en ai marre. Une autre fresque. Mmh.
Ah, faut que je le laisse bloquer là et que je le. Je l'ai. Ok, j'ai compris. Alors, c'était un peu tricky, hein. Ok, là il est bloqué. Et je l'attache ici. Ok, là il est bloqué là. Maintenant, descends. Voilà, l'énigme elle est faite. Je vais le cramer. Et voilà. Je vais faire le grand saut de là-bas ou... Je tente le grand saut? Ok, très bien. C'était un peu tricky celui-là parce que j'avais pas vu. J'avais pas réussi à voir. C'est quoi ce délire? Ah. Parce que j'avais pas réussi à voir le. Derrière moi et que tu pouvais monter par derrière, tu vois ce que je veux dire? Du coup, je suis là en train de tourner en rond. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je baisse le truc il tombe, mais il s'accroche. Enfin, c'était un peu. Et après, je monte tout en haut et je vois le truc. Mais attends, il y a un truc derrière moi. Il y a un feu de camp ici à l'intérieur? C'est drôle. Cache de survie. Qu'ils l'ont traîné jusqu'ici. Cache de survie, c'est là-bas. Ok, très bien. Cache de monnaie, je te jure à 3 sur 9 alors que je viens de les ramasser. Parce que je crois que c'est pas pareil en fait quand tu les trouves comme ça ou quand c'est vraiment des trucs cachés. Philosophique sur les vertus de la conscience. Très bien. Tombeau terminé. 3 sur 3. Waouh, on est très bien là, les gars. On est très bien. Tout ramasser ici. Il manque juste le. C'est dans un sale état, entre les fouilles amateurs et l'effondrement. Et ça doit être lié au prophète. What? Toi, ça marchait pas à un moment, c'est très bizarre. Cache de monnaie, c'est bizarre. Cache de survie 17. Très bien au niveau cache des survies. C'est grâce à ce puits qu'ils ont dû découvrir tout ça. Ça doit être aussi la sortie. En tout cas, les gars, c'est vraiment d'une beauté. Je sais pas vous, mais
Ça m'a manqué, ce genre de jeu. J'ai aussi le dernier, enfin l'autre jeu, Shadow of the Tomb Raider. Alors là, je sais pas, elle est où la sortie là? Et ils me font vraiment sortir par... Ils font pas des raccourcis, je comprends pas. Mais vraiment, faites-moi un raccourci, les mecs. C'est ça qui est bizarre dans ce jeu, je trouve que c'est... Pourquoi lorsque t'as fait quelque chose, tu dois repartir par le même chemin que t'as... Tu dois refaire toute la galère que t'as fait juste pour sortir du... pour réussir le jeu? Toute la galère que t'as... truc t'as fait, tu dois refaire ça. Je comprends pas ce jeu. Aucun sens. Il voudrait refaire la même galère deux fois. On dirait de la pêche blinde. Ça devait être une mine d'uranium. Je l'ai ramassé ? Non. Ok. On est de retour dehors, les gars, et je pense que je vais m'arrêter là. Je crois que ça va m'arriver. Je vais arriver là-haut, je crois. Je pense que je vais arriver là où je voulais aller tout à l'heure. Ok, ça j'ai compris. Je peux les enflammer, d'accord. Il y a des mecs ici ou pas? Ok, dis-moi que j'ai mon russe, il est... dis-moi que mon russe il est bon là. Ah, mon russe il avance pas, c'est abusé. En fait, je pense que mon niveau de russe il va avancer uniquement quand j'aurai trouvé le maximum de trucs. Ça, c'est pour aller de l'autre côté, là où je voulais aller. Et ouais, on va faire ça, on va s'arrêter et on va se retrouver. La médaille des héros de l'Union soviétique. C'est le plus haut titre honorifique, décerné pour acte de bravoure. C'était peut-être à l'un des officiers du goulag. On va aller de l'autre côté, on va faire le truc et je pense qu'on va s'arrêter là. J'essaie de visiter un max parce que... Ouais, là ça m'intéresse pas d'aller là. Et ouais, je vais aller là où je voulais y aller.
Même au tout début du jeu, dans les premiers Tomb Raider, tu galères de ouf, de la même manière, genre en mode tout ce qui est sauté, machin, quand tu rates, bah tu rates. Voilà, moi je pense que là on est bon les gars. Je pense que là on est bon. On a pris tout ce qu'il fallait prendre ici. Il y a une grotte, je vais la faire hors caméra et quand je reviens, on va continuer l'objectif principal et ainsi de suite. Je sais pas si je vais prendre les coffres ou pas. Et ça, ouais, je pense que je vais aller prendre les cache-monnaies, tous ces trucs. Je vais faire le tour tranquillement hors caméra. Je vais faire la grotte, après je vais ramasser toutes les monnaies et tous les coffres. Et par contre, j'ai l'impression que celui-là, objectif actuel, escalader l'usine, peut-être que je vais devoir... Il y a une fresque ici. Il y a un truc là. Ouais, je pense pas. Je reviens en arrière, j'ai ramassé les trucs et quand on se reverra, ça sera pour la mission principale. Alors, quand on regarde l'écran là, à ma gauche, résumé de la région, on voit bien que j'ai assez bossé, hein, les gars. Bon, les gars. On se retrouve au prochain épisode pour les soins de vos cycles de vos proches. C'était Rise of Tomb Raider et moi c'est AWOL. Tu sais, amis.